Nous avons vu, euh, ou plutôt, nous, nous, allons voir la Mishnah, à la fin du Hamoud Aleph, à Ilfas, Donc, Ilfas, c'est une grande marmite en métal qui garde beaucoup de chaleur, qui emmagasine la chaleur. Akedera, c'est une petite casserole en terre cuite, chez Viran Donc, il les a enlevés bouillantes du feu. Le hétérin de il ne devra pas mettre dedans, tant qu'ils sont chauds, tant que c'est il y a de soleil bon, ne devra pas mettre dedans des épices. Parce que les épices vont, vont cuire. Alors, quel est qu'il je douche? On a déjà dit qu'il fallait pas mettre de l'eau dans la bouilloire. Qu'on avait enlevé du feu. Parce qu'ici, c'est plus dit, j'aurais pu croire que c'est plus, plus permis que l'eau. Pourquoi? Parce que les, les épices sont un peu dur à cuire. Ça prend du temps à cuire. Quand machin, ça va nous faire entendre que est rare parce que, kéli Richon, ça va quand même, les cuire. Pour la page, avant les il peut mettre dans le plateau, le plat. Le plat, donc c'est kéli chéli, ou les torchak tamkhoui. c'est un grand plat dans lequel on vidait toute la casserole, et puis après on distribuait dans les petits plats. Lui aussi, il y a aussi, les kéli chéli. Rabbi dans tout il peut mettre des épices sauf un plat dans lequel il y a du vinaigre ou tzir, ou alors du jus de poisson et donc c'est acide et ça aide à cuire même si même si normalement ça ne devrait pas cuire alors on ne sait pas trop on verra dans la Gemara. Est-ce que Oda lui parle sur le début de la Mishnah ou sur la fin de la Mishnah Est-ce que lui parle sur le début de la Mishnah, où on parlait de la casserole qui était sur le feu, donc elle est richeonne et lui voudrait dire que dans ce cas-là, c'est seulement s'il y a du vinaigre ou du cire, mais sinon, c'est pas grave, on peut mettre des épices. Ou alors, même dans Klicheli, on pourrait pas mettre s'il y a du vinaigre ou alors du jus de poisson. il Rabiuda, où? demande et ils se sont posé la question à est-ce que lui il s'applique à la recha donc aux, aux casseroles qui sont keliresha, vela kula et dans ce cas-là il vient nous apprendre une kula c'est que tant qu'il n'y a pas de chometz donc du vinaigre ou du jus de poisson et bien on a le droit au dilma ou alors peut-être qu'il s'applique sur la sefa la chumra à ce moment-là il veut nous apprendre une chumra il va être plus strict, il veut nous dire que vous, vous avez permis dans chez lui et moi, je permets seulement s'il n'y a pas de vinaigre, de jus de poisson. Sinon, je ne permets pas. Tashma, viens écoute. Il peut mettre dans toutes les casseroles, les et de rot, dans toutes les marmites ou toutes les casseroles rotrotes qui sont bouillantes. Il peut mettre dedans. Sauf s'il y a du vinaigre. Au jus de poisson. Donc on voit très bien que lui vient nous apprendre une poula. Ça vient parler sur le début de la Mishnava. Vous avez interdit chaque fois que c'était khalishon. Moi je permets, sauf si Achrometzvetzir. Pourquoi Pourquoi est-ce que ce parce que les épices, le poivre, tout ça, c'est dur à cuire. Il faut vraiment que ça soit. Ou alors dans khalisheli. Pardon, dans kelichon parce que ça restera suffisamment de temps chaud pour le cuire. Donc, il est chenille, ça va vite se refroidir. Ou alors, s'il y a du chometz, il y a du vinaigre ou du jus de poisson, c'est acide, c'est salé. Eh bien, cette salaison, elle va aider à cuire. Ça va, Rav ça vous voulez dire, il pensait que, mais là, le sel, c'est comme les épices. Les Que dans le kelly dans le premier kelly, celui qui était sur le feu, ça cuit. Biklisheni met le deuxième lobe Elle ne cuit pas. Pourquoi? Parce que le sel, c'est pas facile à faire cuire. Amar et Abaye, Abaye le dit, t'en es déber rabichia. On a enseigné le bédame de rabichia. Rabi, Melach mais Rabi. là taflin. Melach, c'est pas comme un taflin. C'est pas comme un épice. Et Biklisheni n'a mis bichela parce qu'elle peut cuire aussi dans de épice. Et alors, dans ce cas-là, il est en contradiction avec Rav Nachman. Bien sûr, pourquoi? D'Amarav Nachman. C'est Chamilcha. Le sel a besoin bichoula une cuisson qui bissera des touras. comme le, le, la viande de taureau la viande de chore, la viande de bœuf pourquoi parce que la viande de bœuf tu le mets dans le calirishon ça cuira pas parce que ça prend tellement de temps à cuire que le calirishon il sera déjà plus chaud pour finir la cuisson et la dernière, alors le sel aussi c'est la même chose Et qu'à il y en a qui disent, ça va raviosef, les mares raviosef, lui, il voulait dire, mais mélachareu qui est tablin. Mais là, c'est comme le tablin. Le béclier rishon, qui peut cuire dans le béclier rishon, béclier chenille, Dans le deuxième, qui dit, il ne peut pas cuire. Mais là, bah, est en éravichia, ravichia enseigné, mais la na qui est tablin. Elle n'est pas comme le tablin. C'est pas vrai. Le béclier rishon n'a mis Même dans le kérishon, elle ne peut pas non plus cuire. Et c'est ce que Rav Nachman nous a dit. Le sel a besoin d'une cuisson comme la viande de bœuf. Pourquoi est-ce que le sel a été le sel Ils font tout de suite hein, quand vous le mettez dans comme le sucre d'ailleurs. Si vous le mettez dans une soupe chaude, ils font le sel. Alors pourquoi vous ne dites que non Une soupe chaude, c'est quand même kelichini, même parfois klishichi. Eh bien. Non. Pourquoi? Parce que si vous le mettez aussi dans l'eau froide, ils fond aussi, c'est pas, on n'est pas en train de parler maintenant de fondre, on est en train de parler de cuisson. Faire fondre, c'est pas un problème, il n'y a pas d'interdit de faire fondre. Mais l'interdit, c'est de transformer où il y a, alors ça c'est chimique, il faut voir, le sel a été transformé par la cuisson. Et ça, les savent, en tout cas, Rahman lui disait, il faut que ça, il faut longtemps pour que le sel vraiment cuisse. Alors maintenant, on va faire la nouvelle Mishnah. Maintenant, alors avant de faire la Mishnah, on va faire une petite introduction au Muktzeh, parce que ici, les Mishnayot qui vont être présentés jusqu'à la fin du Perek, c'est des Mishnayot, ce sera des Mishnayot qui parlent de Muktzeh. Alors, le Muktzeh, c'est les Chachamim qui ont institué le Muktzeh, et d'ailleurs, c'était déjà là, longtemps, longtemps, depuis longtemps, depuis David Ameler, même avant, puisque Shlomo Ameler, lorsque David Améler est niftar, il était dans le jardin, il voulait le faire rentrer, il a demandé est-ce que j'ai le droit de le déplacer. Donc ça, ça s'appelle, euh, Mouktse Bouffo. On va voir tout de suite les, les, les si je sorte de Mouktse. En tous les cas, pendant des années et des années, il n'y avait que les Mouktse Mechamat Bouffo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce, ce Mugtseh, il est, est, cet objet, il ne me sert à rien. Ou cet élément ne me sert à rien. Une pierre. Elle ne sert à rien. Je peux rien faire pendant Shabbat avec ou un iftar, bien sûr, on peut rien faire avec. Donc à partir du moment où ça a aucune utilité, c'est bouclet parce que lui-même, il n'a pas d'utilité. Ça, ça a toujours existé, toujours. C'est-à-dire depuis que les chachamim l'ont institué. Maintenant, après le, le, la dissolution du premier Beth Amikdash, donc le prophète Nechemia, Nechemia ben Chakliya, lui, il a remarqué que les Israël... d'Israël euh, dénigrer un peu le Shabbat, il faisait n'importe quoi. Alors il a dit on va mettre des barrières. C'est quoi la barrière C'est de d'interdire tout ce qu'on n'a pas vraiment besoin maintenant. Tous les Kelim que tu vas pas utiliser maintenant, tu interdis. Tout est, est, est Et après, quand on a vu que finalement les gens faisaient attention, alors on a permis certains Kelim, on a interdit certains autres Kelim. Et c'est comme ça qu'on est resté aujourd'hui. Alors on va voir justement les six sortes de... La de, 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 de. Première, première sorte, c'est que les... Par exemple, un tableau. J'ai un beau tableau. Eh bien, je n'ai pas le droit de bouger mon Pourquoi Parce que ce tableau, je ne pourrais pas l'utiliser. Personne veut utiliser un tableau. Il risque de l'abîmer. Ainsi qu'un marteau d'orfèvre. Ça doit être très, très lisse pour les... Pour... Pour le, l'or, si on l'utilise pour autre chose, pour casser des noix, on va l'abîmer. Donc, ça s'appelle Moukse Mechamat Risarantkis. Pourquoi? Parce que c'est un Keli qu'on pourrait utiliser, mais que, on veut pas utiliser. Parce qu'on va perdre de l'argent. Ça, c'est le premier Moukse qui est très grave. Keli, un autre Moukse Mechamat Gouffo. Comme on a dit, par exemple, une pierre, une pièce d'argent. C'est Moukse parce que, en soi-même, il a aucun intérêt. Pour Shabbat. Ensuite, il y a Shimlarto Shemlar c'est un, un objet qui est généralement pour, un, pour faire un travail interdit, mais que là aujourd'hui j'en ai besoin. Par exemple, un marteau pour casser des noix. J'ai rien d'autre. J'ai pas de casse-noix. Alors j'aurai le droit de prendre un marteau si j'en ai besoin pour casser des noix. C'est un Kili, c'est un vrai Kili, Il y a pas de raison. Mais c'est un Shimlarto Shemlar Todiiso. Généralement, c'est pour faire un iso. Ensuite, il y a bassis l'idvah Bassis, c'est à dire que si ben hashmashot, à l'entrée de Shabbat, on va essayer d'expliquer de ça un peu plus loin pourquoi. C'est si l'entrée de Shabbat. Le sur mon plateau, il y a quelque chose de muktzé, et eh bien le plateau est muktzé aussi. Et sur la table, alors la table aussi est muktzé. On ne peut plus déplacer la table pendant Shabbat. Ça s'appelle bassis, une base pour quelque chose de assou. Ensuite, il y a Mechouba la carcasse qui est attachée à la terre. Par exemple, une pomme qui est sur un arbre ou alors un animal qui n'a pas encore été capturé avant Shabbat, ou avant Yom Tov surtout, parce qu'un animal, on pourrait lui faire la chrétie Yom Tov. Et pour terminer, muktzeh Mechamat Mitzvah. muktzeh par exemple, les ce qu'on accroche, les guirlandes dans la souka, ou les fruits qu'on accroche dans la souka, c'est muktzeh parce qu'on l'a destiné à la mitzvah, jusqu'à la fin de la fête. Voilà, donc on a les six... Euh, Moukse qu'on verra de toutes les façons, dans toute la Masikat Shabbat, on, on va revoir encore, les La différence entre Rabi Oudah et Rabbi Shimon, c'est que Rabbi Oudah il est Mahmir dans Moukse, Rabbi Shimon, il est Mekin, mais ça on le verra plus loin. Maintenant on peut commencer la Mishnah. A donc nous avons euh, Pardon. notnim, kabel On n'a pas le ah. droit de mettre un kelis ah. sous, n'a pas le ah. mettre un ustensile sous le nerf. C'est-à-dire sous le, 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 la bougie, sous la lampe, les kabel boetachemen. Pour réceptionner l'huile qui coule par la mèche. Vim, notno, vimodium. Et si a mis avant Shabbat, mouta, c'est permis. Mais pendant Shabbat, c'est interdit. Il faudrait expliquer pourquoi. Venotin On n'a pas d'en profiter, de lui, les fiches de Nominamochran, parce qu'il n'était pas prêt. Alors, euh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de mettre un Kelly sous le nerf Parce qu'il va y avoir une marquoquette en draba, à Yosef pour expliquer, est-ce que c'est un problème de Kelly qu'on va sacrifier, puisqu'on ne pourra plus l'utiliser, ce Kelly pendant le Shabbat puisqu'il va devenir moukti à cause de l'huile. Ou alors, c'est parce qu'on a le droit de déplacer un keli pour une chose qui est interdite. Alors, déjà, tout ça, on va réexpliquer, Maintenant, chez nous, Mouna ça dépend d'après Abiouda, c'est pas Moukhan. Pourquoi? Parce que lui, il pense que tout ce qui n'a pas été préparé avant le Shabbat, eh bien, on ne peut pas l'utiliser avant le Shabbat. Et l'huile, lui, n'était pas prévu, il était prévu pour allumer, pas pour manger même s'il en reste. Et d'après Rabbi Shuman, ça peut aussi être moutier à cause de la mitzvah, parce que c'est moutier pour la mitzvah. On l'avait laissé pour... Nous, on l'avait destiné à brûler les faux Shabbat. Alors, Gmara. Amara Frizda. vetzata." malgré le fait que nous avons dit qu'on n'a pas le droit de mettre un ustensile sous une poule pour réceptionner l'œuf qui va tomber. Pourquoi Parce que sinon il risque de rouler et de se casser. Un aller à Kelly, mais il peut mettre à l'envers un kili dessus, chez l'autre, chever pour pas qu'on marche dessus, qu'on la casse, qu'on le casse. Amarabat, Maïtama de Amaraba, lui, il va poser la question, il va demander quelle est la raison de Rafriza Quelle est la différence entre mettre un kili en dessous mettre un kili au-dessus et la Turabiosef plus loin, on verra dans le prochain bout va discuter. Alors Maïta à savoir lui pense à à suyaleti Lui dit c'est assez commun, assez habituel que la, la poule elle elle pond dans un endroit où il y a des déchetteries, dans des déchetteries, dans un endroit où il y a des déchets. Or dans les endroits il y a des chers, il y a des gens qui viennent pour jeter leurs déchets, qui marchent dessus, risquent de casser l'œuf. Donc puisque Normalement, on n'a pas le droit de déplacer un keli pour aller réceptionner quelque chose de muqtseh. Il n'y a pas de raison. Mais ici, on a permis les khali. On permet pourquoi Parce que sinon, il va se casser. Et c'est quand même fréquent. Donc, c'était prévu. Donc, Mistama Kerev Shabbat avait pensé que si tu avais besoin de ce keli, tu l'aurais utilisé pour ça. Mais de dire qu'il faut mettre un keli en dessous, je ne suis pas d'accord. Pourquoi Parce que généralement... Une poule ne pondra jamais en pente. Il va pas rouler son œuf. Pourquoi il ne pas en pente? Parce que les poulets ne sont pas en pente. Même quand on est à la montagne, on, on creuse, on met un niveau pour pouvoir un poulailler à plat. C'est pas logique de mettre d'installer de, des animaux en pente. Donc, généralement, c'est toujours, on n'aura pas besoin de cette, euh, on n'a pas besoin de ce qu'il y a, on n'a pas besoin de le mettre. ça l'a Donc, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu que Metsuya, une Hatsala qui est fréquente, c'est-à-dire le fait de, de, que les gens marchent sur un œuf parce qu'ils ne le voient pas, ça oui, ils ne s'en pas. Hatsala Metsuya, mais quelque chose qui n'est pas fréquent, par exemple, qu'elle ponte dans un grand en pente, l'eau Itiwu, ils n'ont pas permis. Et y vais. alors à ce moment-là, une question sur Abaye, ah, Abaye ah, demande une question sur Rafrida, selon les paroles de Rabat qui ont été, qui ont été expliquées par Rabat. Maintenant, toi, tu veux me dire que une qui n'est pas fréquente, c'est-à-dire de sauver son argent dans un cas qui n'est pas fréquent, c'est-à-dire dans un cas où il n'y a pas un gros danger que ça arrive, ça, on a dit qu'on n'a pas le droit. On a le droit seulement si ça, si c'était prévisible que ça s'abîme et qu'il y avait une perte. pourtant, on un avait une bretagne, Quelqu'un avait mais Roger Goh, il avait sur son toit une cruche de vin ou d'autre chose qui était tével. Donc, on n'avait pas prélevé de la trauma et les mascotes. Mais, vi ou mener tartar. Maintenant, lui veut récupérer le vin ou l'huile ou, ou le miel qui est en train de tomber. Donc, il veut mettre un Kelly en dessous. Maintenant, ce tével, on ne peut pas utiliser pendant le Shabbat. Puisqu'on n'a pas prélevé la trauma, on ne peut pas le manger. Donc, c'est Moukse. Si c'est Moukse, alors pourquoi as le droit de déplacer un Kelly? pour réceptionner quelque chose de mouktsé. On vient de dire qu'on n'a pas le droit de déplacer un kéli, comme ça a dit, euh, raba Il dit, on n'a pas le droit de déplacer un kéli si ce n'est pour une adsala, metsuya. C'est quelque chose de fréquent. Alors quoi? C'est fréquent qu'elle se casse la cruche? Hein J'espère que non. Sinon, à quoi ça sert d'acheter des cruches si elles vont se casser? Et qu'est-ce qu'il répond? Mais goulfer khalete. C'est des nouvelles cruches. Lorsqu'on a créé les cruches, la première fois, il faut tester, C'est pas évident que ça va tenir. Parce qu'il y en a qui sont fragiles, ce n'était pas tout fait par la machine, c'était tout fait à la main d'ailleurs. Et donc il peut y avoir des fragilités qui font qu'elles vont casser. Donc c'est relativement fréquent. Une fois qu'on l'a utilisé une fois, on voit qu'elle ne s'est pas cassée, alors là c'est plus fréquent. Alors des chri -chri, des paquets, c'est fréquent qu'elles éclatent. Ok, donc puisque c'est fréquent, on a permis Puisqu'on a dit que chez nous, il n'était pas fréquent que ça se en pente. donc c'est pour ça qu'on n'a pas permis de mettre en dessous. Mais dessus on avait le permis puisque c'était fréquent. Et il y avait une autre question, une autre contradiction. Notre Nim, est Les de On a le droit de mettre un queli sous un air sous une lampe, pour pour les pour les si il y avait des, des étincelles qui sautent, qui tomberaient des étincelles, des morceaux de des morceaux de, de mèches qui tomberaient qui, qui lorsque ça éclate, eh bien, hein, on a le droit de le mettre. Mais pourtant, qu'est-ce que c'est du mukse tout ça Alors Pourquoi tu aurait le droit de mettre une il On a dit qu'on n'a pas apporté une assiette ou un Kelly pour quelque chose de mukse qui n'est pas fréquent. Alors il dit c'est fréquent. Bon, lui considère que c'est quelque chose de fréquent qu'il y ait des nitsotsots. Donc on avait déjà prévu, c'était prévisible, puisque c'était prévisible. Alors on a le droit de mettre le killer en dessous pour pas que ça brûle la nappe ou autre chose. Voilà. À bientôt.